Je suis là. Je suis venu dire. Nous n'avons pas pu attraper même un seul gibier, hein? Ah mon frère, c'était vraiment terrible. C'est comme si ils étaient partis en grève. Et tu sais le pire dans tout ça c'est quoi? J'ai perdu mes balles pour rien. J'ai vu un animal passer. Hey, je me suis dit enfin j'ai mon gibier pour aujourd'hui. Hey. Mais comment tu ne l'as pas eu? Je l'ai vu de loin et je me suis préparé mon frère. Toutes les balles que j'ai tirées sur lui. Non, même pas. Il n'était pas mort. Parce que elle n'était pas bien cadrée. Sinon, il serait même tombé de cet arbre-là. Tu connais le grand arbre, n'est-ce pas? C'est là que j'ai tiré. Je me suis approché, j'ai cherché, mais je n'ai rien vu finalement. Hein? J'ai finalement compris qu'il avait déjà sauté de cet arbre-là. Il y avait un autre derrière qui les appelait, je ne sais pas, pour une réunion ou quoi. Moi qui pensais l'avoir atteint. Comme s'il avait une réunion. Je m'approche, je me rends compte que j'ai perdu ma balle pour rien du tout. Tu te rappelles de ce que nous t'es arrivé la fois passée dans la forêt, n'est-ce pas? Exactement. Hein? Je te dis, cela m'a totalement découragé, je te dis, mon frère. Mais que faire? Toi d'ailleurs, tu avais une chance parce que tu avais vu un. Hein? Tu sais que j'ai cherché partout, mais je n'ai même pas trouvé un. Hein? J'ai vu un passer et je pensais que c'était un lapin. Je l'ai poursuivi jusqu'à ce que j'ai levé ma main. J'ai voulu l'attraper. En regardant bien, c'était un corbeau. Ha! Mon frère, mais tu sais, ce qui m'énerve encore, c'est que tu sais que ma femme est vraiment la pauvre. Et si j'avais pu tuer cet animal-là, mon frère, au moins je m'aurais fait un peu d'argent par-ci de là. Oui. Comme tu me vois là, je suis vraiment fauché, mon frère. Il faut même qu'on aille de l'autre côté là-bas. Hein? Écoute-moi, il faut que nous allions quelque part. Il faut qu'on trouve l'argent. Est-ce que tu peux encore te rappeler du travail que nous avons fait autrefois? J'ai dépensé tout ce que j'avais gagné. Et je n'ai plus rien maintenant là. Comme tu me vois là, c'est exactement comme je suis. Je ne sais même pas s'il y a encore de la nourriture dans cette maison-là. Je ne sais plus quand je lui ai donné un peu d'argent pour la nourriture. On ne fait que se débrouiller depuis lors. Hein? Dis-moi, qu'en es-tu des ignames? Les patates que nous avons plantées dernièrement là. C'est ça même. Hein? Il faut attendre un peu. Nous allons récolter. Oui, nous allons récolter. Nous allons récolter, hein? Mon frère. La fin est compliquée. Un peu de patience. Thank you.
pourquoi tu viens te coucher ici dehors, sous le soleil? Salut. Hein? Hey. Salut. Hein? Mon hein? mari. Ces rayons me font du bien. Hein? Dis-moi, comment te sens-tu maintenant? Hey. C'est comme tu vois. Je ne faisais que t'attendre. Et tu as pris beaucoup de temps. Hein? Chérie, tu as traîné. Pourquoi? Mon amour, il fallait voir ce qu'il s'est passé aujourd'hui. C'était comme si tous les animaux étaient allés en vacances. Je ne comprends pas. T'es sérieux? Je te dis vrai, oui. Ah bon? Chérie. Oui, chérie. Tu es un bon mari. Ah oui. Merci beaucoup. Je t'aime. C'est ça ma prière. Oh. Notre espoir est en Dieu. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ma chérie, tu sais quoi? Nous avons parcouru toute la forêt. Ils nous sont même entrés dans le village voisin là-bas. Mais finalement, nous n'avons toujours rien trouvé. Même pas un seul animal. Ce n'est pas vrai. Ok, c'est pas grave. Ma très chère femme. Désolé, fais attention. Je me suis débrouillée pour t'apprêter quelque chose à manger. Ah, donc tu l'as fait? Oui, je le fais. Même dans cette condition? Ah, mon mari. Ma très chère. Je ne suis qu'enceinte, je ne suis pas malade. Oh, merci. Ah. C'est très bon d'avoir une femme qui prend soin de soi. J'espère que le bébé mange pour lui aussi. Quel plat délicieux. C'est bien que tu l'apprécies. À chaque fois, tu me fais me rappeler de mon père, trop attentionné. Mon mari, qui dit que je ne suis pas ta mère? Tu dois savoir que maintenant je joue le rôle de ta mère. Oui, tu l'es. Je te suis à petits pas. Bien sûr que je te compare à ma mère. Tu sais bien préparer, mieux qu'elle. Elle t'a transféré ses dons de cuisinière. Bien sûr que oui. Je prendrai soin de toi. Ok, maintenant que tu manges, laisse-moi aller finir ce que je commençais à la maison. Merci. La fille du ciel, la fille de la mer, la fille de l'océan, je suis venue dire.
Afam, qu'est-ce qui ne va pas? Mon ami, bienvenue. Assieds-toi. Merci. On ne devait pas sortir aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ma femme. Sa santé ne s'améliore pas du tout. Je peux le sentir. Elle ne fait que faire semblant de bien se porter. C'est très sérieux. Arrête de penser. Nous devons l'amener se faire soigner. Je sais que tu sais ce qui se passe. Je le fais. Il lui a donné une potion. Mais ça n'a pas marché. Après avoir pris le médicament, il n'y a eu aucune amélioration. Ça, c'est étrange. Mais, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller encore? Oui! Va le voir. Va seulement lui dire que la potion qu'il t'a donnée n'a pas marché. Tu veux juste t'asseoir là et regarder ta femme mourir? Ça n'arrivera pas. Je pense que tu as raison. Je dois le faire. Je dois le faire. Oui, tu dois le faire. S'il te plaît, aide-moi. Allons la chercher maintenant là. Hein? Tu veux peur de quoi? Allons-y. Le grand sage, la potion que tu as donnée à ma femme, elle a déjà tout pris, mais il n'y a pas d'amélioration. Comme tu peux le voir, hein? La maladie persiste. Alors, je l'ai amenée auprès de toi pour que tu fasses quelque chose. Aisez-moi, s'il te plaît, fais quelque chose. Je ne veux pas que ma femme meure. Fais quelque chose. Ta femme vivra et ne mourra pas. Mais la cure pour sa maladie, les dieux n'ont pas encore révélé. Alors, Ezemo, le grand sage, ça veut dire qu'elle restera comme ça jusqu'à la fin de ses jours? Jeune homme, les dieux sont silencieux. Afam, sois fort. Sois comme un homme. Hein? Ta femme ne restera pas toujours comme ça. Jamais. Un jour, elle se sentira bien. Ok? Sois fort. Écoute. Si tu restes comme ça, ta femme n'aura même pas la chance de se rétablir. Tu dois être fort parce que tu es un homme. Ok? Sois un homme. Et tu verras que les choses vont avancer. Merci beaucoup d'être un bon ami. Je t'en prie. J'apprécie. Afam, tu sais, tu n'as pas à me remercier. Si tu es dans le malheur, je le suis aussi. Si tu te réjouis, je me réjouis avec toi. Hein? Essaie d'être fort. Ok? Je suis en train de partir. Mais je reviendrai demain. Hein? Dans ce cas, on ira ensemble. Ok? Très bien. Très bien. Alors, très bien, on se voit demain. Ok. Au revoir. Il est temps de partir. Ton temps est arrivé. Tu as assez demeuré sur la montagne. Tu dois aller accomplir ta mission. Il est temps. Il est temps.
Tonton est arrivé. Il est temps de partir. Tu as assez demeuré sur la montagne. Tu dois aller accomplir ta mission. Il est temps. Il est temps pour toi de partir. Ton temps est arrivé. Tu as assez demeuré sur la montagne. Tu dois aller accomplir ta mission. Pars, je serai avec toi. Pars, je serai avec toi. Pars, je serai avec toi. Il est temps pour toi de partir. Ton temps est arrivé. Tu as assez demeuré sur la montagne. Tu dois aller accomplir ta mission. Pars, je serai avec toi. Ça ressemble à un être humain. Afam. Qu'est-ce qu'il y a? Approche. Il y a quelqu'un ici. Une antilope. Vraiment. Regarde. Ça, c'est un humain. Viens. Approche. Regarde là-bas. Ça, c'est un humain. C'est un humain. Voilà quelqu'un. Qui ça peut être? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas. C'est sûrement un piège. Non. Et si on s'est rapproché pour savoir si c'est exactement une personne? Hein? Viens. Non, moi je ne viens pas. Oh. Ça doit être un piège. Ikena, ne va pas près d'elle. Oh. Ne peux-tu voir que c'est un esprit? Hein? Afam, elle est en vie. Et qui est-elle? Je ne sais pas. C'est pour cela que je t'ai appelé. Ikena, tu ne vois pas. Cette fille est un esprit, oh. C'est un esprit, tu ne vois pas? Comment elle est arrivée là? C'est ça le problème avec toi. Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu sais des esprits? Mon frère, je te dis ce que je sais. Tu dois m'écouter. C'est un esprit. Regarde-la bien. Regarde-la. Observe-la. Regarde-la bien. Tu vois? C'est un esprit. Ok. Dis-moi. Qui est celui qui peut venir? Regarde un peu. Toute cette forêt. Qui peut venir jusqu'ici et garder quelqu'un à cet endroit-là? C'est une fille en plus. Oh. Une fille. En plus, regarde comment elle est comme ça. Laisse-moi te dire. Tout ça n'est qu'un piège. On nous a piégés. Tu ne sais pas. Laisse-moi te dire. Rappelle-toi, on n'a pas encore attrapé un seul animal aujourd'hui. Oh. Hein? Et je n'ai pas l'intention de risquer quoi que ce soit. Ni pour toi, encore moins pour elle. Hein? Ma femme est là-bas à la maison. Elle m'attend. Hein? Et tu sais qu'elle ne va pas très bien ces jours-ci. Il faut que j'aille prendre soin d'elle. Alors si tu veux la prendre, ou même la laisser seule, ou je ne sais pas, tout ce que je veux faire avec elle, ne m'appelle pas. Tu as compris? J'espère que tu m'as bien entendu. Nous sommes des chasseurs. Nous ne sommes là que pour les gibiers et nous ne sommes pas là pour ce genre de choses comme ça. Ce n'est pas ce qu'on vient faire. Écoute-moi bien, Ikena, ne fais pas ça. Mais pourquoi tu fais ça, Afam? Pourquoi je fais quoi? Afam, regarde-toi. Je t'écoute. As-tu vu ma mère? Tu dis quoi? As-tu vu ma mère? Tu dis quoi là? Comment est-ce que tu ne reconnais pas que cette femme est en vie? Ça ne me regarde pas. Elle a peut-être été kidnappée. Par qui? Qui c'est?
Elle a sûrement des problèmes. Si vraiment on l'avait enlevée, on l'aurait déjà amenée dans une maison. Dans une maison inachevée. Et non ici comme ça. On ne serait pas venu la déposer ici. Mais regarde, elle a très bien. Pourquoi tu n'arrives pas à voir ça? Enlève ton chapeau d'abord. Enlève ton chapeau là. Regarde bien. Tu ne vois pas que c'est un esprit. Tu ne vois pas. Afam, dis-moi que pourquoi tu ne comprends pas. Afam, viens m'aider. Viens m'aider à prendre soin d'elle. Je ne suis qu'un chasseur. Et rien de plus. Tu ne peux pas me créer des problèmes comme ça. Je suis déjà dans un très sérieux problème. Ma femme est malade et je suis fauché. Je suis vraiment fauché. On n'a pas besoin de l'aider. Et même si on décide de l'aider maintenant là, sûrement elle a très faim. Tu ne sais pas combien de temps elle est restée là. Qui va lui donner à manger? Je ne viendrai pas. Viens, viens. Tu ne connais pas qui va t'aider demain. Non, ça ne m'arrivera pas. S'il te plaît, viens m'assister. Mais viens, viens m'aider. Je crois que tu as aimé la nourriture de la dernière fois. Bien sûr que je vais me réjouir, ma chère. Oui. Mon mari. Oui, ma chérie. Je voulais te dire une chose. Qu'est-ce que c'est? Je suis là. Cette fille que tu as amenée à la maison, je ne sais pas, j'ai des mauvais pressentiments à son sujet. Je sens qu'elle est entourée d'un mauvais esprit. Elle peut devenir un dérangement pour nous, même pour notre bébé. S'il te plaît, je souhaite que tu la ramènes d'où tu l'as prise. Oh! Ma chérie! Mon mari! Regarde, tout est sous contrôle. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, ok? C'est juste une femme qui a besoin de notre assistance. C'est pour cela que je l'ai amenée ici. Elle n'est pas du tout un démon. Ok. Tu sais quoi? Tu vas aller au lit et dormir. Et demain matin, je vais lui demander son village natal. C'est alors que je saurai quoi faire. D'accord? Ok. Si tu l'as dit. Merci chérie. Nguano. Ça c'est parfait. Ok, ça va aller. Attends, t'inquiète. Non. T'inquiète. Hey! Toi, les bébés, pourquoi tu ne veux pas que je reste avec ma femme? Ah! Mon bébé guerrier. Il bouge très bien. Ah! Papa t'aime beaucoup. Hein? Prends bien soin de lui. Oh, ok. Très bien. Inkem? Obim. Tu avais dit que tu voulais parler de quelque chose avec moi. Et tu sembles un peu dérangé. Alors qu'est-ce qu'il y a? Obim, je fais un rêve terrible la nuit d'hier. Un rêve? Dans ces rêves, j'ai vu ton ami Ikena dans un bain de sang. Ikena, mon ami, dans une piscine de sang. Oui. Je le réprime. Dans ce même rêve, je l'ai vu. Il était mourant. Ça n'arrivera pas. Dans ce rêve, j'ai vu un vautour en train de dévorer son ventre et à dévorer les nouveaux bébés. Je le réprime pour lui, ça n'arrivera pas. Ça ne va jamais arriver. Que ce soit la nuit, le jour, à tout moment. Ça n'arrivera pas. Jésus. Mon mari. Quand je me suis réveillée, c'est là que j'ai su que c'était un rêve. J'ai sursauté. J'avais des larmes aux yeux. Ce rêve est juste imaginable. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Écoute, je sais quoi faire. Je vais lui parler. Je pense qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour ça. Dis-le-lui. Jésus. La fille du ciel.
la fille de la mer. Je suis la fille de l'océan. Je suis venue. Je suis venue dire. Que veux-tu dire par là? Elle n'est pas là-bas. J'étais là, mais elle était introuvable. Oganigou? Oui, mère. Ojamili? Oui, mère. De quoi parle-t-il? Mère, nous avons eu l'idée de l'attendre juste comme vous nous l'avez instruit. Avant de revenir, je ne sais pas de quoi il parle. Dike, rentre. Je vais la chercher et te la ramener. Jure par ton nom. Je jure. Sur mon nom, Otien Odoan Panona Chao. Je veux la chercher et te la ramener. Qu'il en soit ainsi. Allez, allez à sa recherche. D'accord, mère. D'accord, mère. La jolie femme, tu n'as toujours pas mangé ta nourriture. Je n'ai pas faim. Mais voyons, comment tu peux me dire que tu n'as pas faim? Tu étais toujours inconsciente. Et là, tu n'as rien mangé. Et tu dis que tu n'as pas faim. Pourquoi tu m'as amené ici? Je t'ai vu dans la forêt. Les mains et le pied était lié. J'ai pressenti dans mon esprit que tu devais avoir des problèmes et tu avais besoin d'aide. C'est pour cela que je t'ai amené ici. Et maintenant, dis-moi, qui t'avait lié dans la forêt? Et pourquoi tu es habillé comme ça? Des questions en même temps. Oh, regarde-le, regarde. Ils sont là. Qui? Ils sont là, regarde-les. Regarde-les. Mais qui? Ils sont venus. Ils sont qui? Venus. Regarde-les. Moi, je ne vois personne. Qui? Tu dis quoi ça? T'inquiète. Tu es beau. Merci. Tu ne veux toujours pas manger? Qu'est-ce que c'est? Ah! Ça, c'est la nourriture. La soupe à huile. Et puis, au bas, pour accompagner. Je sais que tu vas l'apprécier. Mange, vas-y. Ok, je vais commencer. Et tu vas me suivre. D'accord? Je sais que tu vas apprécier. Prends. Mange. As-tu aimé? Je sais que tu as apprécié. Ça, c'est mon plat préféré. Vous l'avez trouvée? Oui, mère. Où est-elle? Il est dans la maison de Ikena, les chasseurs. C'est lui qui l'a pris d'où nous l'avons laissée. Elle n'était pas censée être vue par un homme excepté Dike. Quelque chose ne va pas bien. Hein? Quelque chose ne va pas. Woo!
Ikena. Ikena. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Omalogo. Qu'est-ce qui est arrivé à Omalogo? Elle est à la rivière du village. Elle veut se jeter dedans. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Omalogo est dans ma maison. Écoute, tu dois venir maintenant. Sinon, elle va se tuer. Ah, ça devient sérieux. Laisse-moi vérifier. Omalogo. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Omalogo. Ah. Omalogo. Elle est où? Elle va mourir, go. Omalogo. Allons-y, allons-y, allons-y. Omalogo. Pourquoi tu faisais ça? Je veux dire, pourquoi tu étais au bord de la rivière? Pourquoi tu veux te suicider? Je veux mourir. Laisse-moi mourir. Qu'est-ce que tu veux dire par mourir? Pourquoi tu veux mourir? Je suis enceinte. Enceinte? Ok, ok. Et c'est pour cette raison que tu veux te suicider? Je ne veux pas apporter la malheur sur toi et ta famille. Mais qu'est-ce que tu passes avec toi? Ikena, je porte ton enfant. Tu attends quoi? Oui. J'avais déjà oublié. Ah, Ikena, comment j'ai pu oublier les bons moments qu'on a passés ensemble, Ikena? Hein? Et c'est pour cette raison que tu veux te suicider. Ikena, oui? Tu ne comprends pas. J'étais destinée à épouser quelqu'un d'autre. Mais tu es maintenant ma grossesse. Et puis aller épouser une autre personne. Ah, Ikena, tu ne comprends pas. Ce n'est pas un homme. C'est un esprit. Ok, le jour où tu m'as vu à la forêt. Oui. C'est là que je devais le rencontrer, pour qu'il me récupère et m'amène chez lui comme sa femme. Hein? Ça c'est génial. Oui, tu es dans un bon état. Ikena, tu ne me saisis pas, il n'est pas un homme. C'est un esprit. Il est méchant et très rusé. Il va te faire du mal. Ikena, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime et je ne mérite pas que le malheur t'arrive. S'il te plaît, Ikena. Écoute, mon ami. Je m'apprêtais à venir chez toi, maintenant là. Mais tu as anticipé. Mais Dieu merci, tu es là-haut. Mmh. Écoute, ma femme a eu un rêve terrible. Ça t'est concerné. Ta famille aussi. Mmh. Alors, il faut que tu la voies. Hein? Écoute-moi, c'était pas bon du tout. Pas bon du tout, pas bon du tout. Écoute, je pense qu'elle est la mieux placée pour te raconter son rêve. Écoute, Afam, j'ai compris. Hein? Hein? Il y a quelque chose de très important que tu dois savoir. Important? Ah? Oui. Regarde. Hein? Tu as fait quoi? Ah. Tu as fait l'amour à une fille qui est un esprit et tu vas jusqu'à l'engrosser. C'est toi qui l'appelles esprit. C'est une très bonne femme, une femme normale dans ce village. Écoute, elle est très bonne au lit. Et je suis même prêt à faire d'elle une seconde femme. Ikena. Ikena. C'est ça mon nom. C'est la deuxième fois que je t'appelle. Oui. Hmm.
Je serai toujours ici chez moi dans ma maison. Quand tu vas courir ici vers moi, tu viendras ici, me suppliant, de te suivre pour aller chercher des solutions. Sérieusement. Puis tu viendras me chercher ici, je le sais bien. Parce que cette fille-là est un vrai problème pour toi. Je sais que tu reviendras vers moi ici. Mon ami, tu as fait l'amour avec qui? Un esprit. Je le réprime. Ah bon? Tu sais pourquoi je rigole? Je rigole parce que tu n'as jamais arrivé à ce niveau. Hein? C'est un autre niveau. Regarde, prépare-toi seulement. Tu vas aller avec moi voir ses parents. Moi? Bien sûr que toi. T'accompagner chez ses parents. Tu plaisantes. Non, tu plaisantes, mon frère. Moi, t'accompagner dans sa famille. Et je suis bien sûr que sa famille, c'est ces gens-là que nous voyons autour de la rivière là-bas. Les sorciers que nous voyons là. Ah. Hein? Les filles que nous avions l'habitude de voir là-bas. Oh, pas ça. Mon ami, je t'aurai prévenu. Ne compte pas sur moi. Je n'irai nulle part avec toi, tu me comprends? Tu vas venir avec moi parce que tu es mon meilleur ami. Et puis quoi? Comme tu es mon ami, tu m'impliques même dans des bêtises. Tu veux que je risque ma vie là-bas parce que tu es mon ami? Nous allons voir. Et puis, ne viens plus jamais me parler de ce genre de choses-là, tu comprends? Tu sais, ma femme, Dieu merci, elle s'améliore. Oh, moi, je veux m'en aller. Hein? Je la fille, je ne vais jamais aller avec toi. Tu peux aller tout seul là-bas, je ne vais pas. S'il te plaît, va-t'en. Bah oui, va-t'en, je te chasse. Va-t'en, s'il te plaît. Chineke, bien. Que fais-tu dans ma cuisine? Ah, j'ai très faim. S'il te plaît, je vais préparer les garis pour manger. Tu es stupide, au fait, tu n'as pas de cerveau pour dire ce genre de choses. Oh, tu veux faire la soupe dans ma cuisine? Écoute, oh, n'est-ce pas qu'il est temps pour toi de rentrer dans ta famille de paria et me laisser moi et mon mari en paix? Ah, je ne suis pas une mauvaise personne, non. Je ne vous fais pas du mal. C'est juste que j'ai faim, écoute. T'inquiète, je ferai la quantité qui va nous suffire tous. Je ferai pour tout le monde, d'accord? S'il vous plaît, pardon. Oh, c'est pour que tu réussisses à me tuer, moi et mon nouveau bébé. Le seul fils légitime de cette famille. Oh, non. Je ne te ferai pas du mal. Sournoise. Croyez-moi. Paria que tu es. Ah, du n'importe quoi. Non. Tu veux préparer quoi? Dans ma cuisine? Madame. Tu veux nous tuer? Hein? Tu veux profiter pour nous ôter la vie? Vous. Va-t'en dehors! Sors! Banni que tu es! Folle! Ta femme ne m'aime pas. Pourquoi elle a dit ça? Elle a renversé la nourriture que j'ai préparée hier la nuit. Quoi? Elle a fait quoi? Noma? S'il te plaît, Kena, s'il te plaît, reviens. Je te prie, pardon, ne lève pas ta main sur ta femme. Je ne suis pas venue briser votre famille. En tout cas, ça, je n'en veux pas. Elle ne veut pas faire ça dans ma maison. Hein? S'il te plaît. Je vais juste laisser tomber à Merci. Cause de toi. D'accord. Reviens. Je ne te l'ai pas dit pour que tu ailles la battre. C'est juste pour t'informer que je n'ai pas encore mangé depuis hier. J'ai faim. Vraiment, tu insistes comme ça? Ne t'en fais pas pour ça. Viens, on va s'asseoir. Assieds-toi ici. Laisse-moi t'apporter quelque chose à manger. D'accord? Je reviens bientôt. Ok, d'accord. Je suis Omaruku, la fille du ciel, la fille de la mer, la fille de l'océan. Je suis venue pour dire.
non. Laisse-moi. S'il te plaît. Mais laisse-moi, je veux partir. Laisse-moi partir. Mais où est-ce que tu veux partir? Je veux aller chez moi. Pas maintenant, pas maintenant. Tu attends mon enfant. Ta première femme aussi porte ton enfant. Et je vois que tu l'aimes, je peux bien le voir sur, dans tes yeux. Et s'il te plaît, je ne veux pas être une tierce personne entre vous. Je veux juste partir. Oui, je l'aime. Et je t'aime aussi. Je t'aime beaucoup. Tu m'aimes? Bien sûr que oui. Aucun homme ne m'a encore dit de telles paroles. Et Ikena, oui. Je t'aime aussi. Mais je n'appartiens pas ici. J'appartiens à quelqu'un d'autre. Tu m'appartiens. Et je suis prêt à me battre pour cet amour. Merci. Ne pars nulle part. Es-tu sûr que tu peux lutter pour cet amour? Je vais me battre pour ça. Je te promets. Entrons dans la maison. Allons-y. Trouvé. Elle vit maintenant avec le chasseur. Elle n'est pas supposée tomber amoureuse avec Romance. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce que je dirais à son mari à propos? Mère, nous pouvons la reprendre. Non! Elle a été déflorée. Elle doit passer par le processus de la purification avant qu'elle n'arrive ici. Mère, il n'a rien à se déranger là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Je ne sais pas. Je suis juste réveillée en sursautant. Je ne comprends rien. Elle est menteuse. Elle veut me tuer. Elle est une sorcière. Elle veut me tuer. Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que moi je t'ai touchée? Elle a fait un paria. Non, je ne t'ai pas touchée. Non. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas de quoi elle parle. C'est pas ça qui lui est arrivé. Je ne l'ai même pas touchée. Elle ment. Elle veut me tuer. Elle est sorcière, elle essaie de me tuer. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je t'ai dit qu'elle était sorcière. Je suis pas une sorcière. Est-ce que tu as bien entendu? Même dans cette condition, tu ne connais pas ce qui s'est passé ici. Je ne l'ai même pas touchée, j'étais là endormie, je l'ai juste entendu crier. Je me suis sursautée, je me suis réveillée, je ne l'ai pas touchée. Elle voulait me tuer avec ses couteaux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais parle-moi. Je t'ai dit que cette fille était une sorcière et que tu dois la ramener d'où tu l'as prise. Tu ne voulais pas toi maintenant. Comment elle essaie de bébé? Me tuer. Est-ce que le bébé va bien? Je crois que ça va. Désolée, chérie. Ça dérange un peu. Allons-y doucement. Allons-y doucement, d'accord? Arrivé la nuit dernière. J'étais endormie. Uh-huh. Quand je l'ai entendu crier, j'ai sursauté d'où j'ai dormi. Je ne l'ai même pas touché. C'est faux, mon mari. Cette sorcière m'a presque tué hier la nuit. Je pense qu'elle a raison. Parce que j'ai vu ce couteau, pas de là où elle s'est couchée la nuit dernière. Est-ce que tu les as entendus? Je ne l'ai pas touché, crois-moi. Je n'ai rien fait. Comment tu veux que je te croie alors tu veux tuer ma femme? Je vous dis la vérité, s'il vous plaît, croyez-moi. Je ne l'ai pas touché. Non, tu mens. Tu mens.
Ce n'est pas vérité, dans mes intentions de lui faire du mal. Pourquoi tu veux tuer ma femme? Je ne peux pas faire un tel truc. Je n'ai jamais tué quelqu'un avant, alors je ne le ferai pas. Pourquoi je vais le tuer? Dites-moi. Je comprends au moins ce qui s'est passé, mais je ne saurais vous le dire maintenant. Ce n'est pas important. Pardon. Honnêtement, je suis tellement confus. Hein? Je ne sais pas fait. À qui je vais croire. Oh, je sais que c'est très dur pour toi de le vivre, mais je n'ai rien à voir avec ça. Je ne vais pas le tuer. Pourquoi je le ferais? Crois-moi. S'il te plaît, fais-moi confiance. Ok, si ça va. Ne me crois pas toujours. Ça va. Je suis Omaloku. La fille du ciel. La fille de la mer. La fille de l'océan. Je suis venue dire. J'ai attendu. Mais tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. La situation devient de plus en plus compliquée. Tu as juré par ton nom. Oui. Mais je peux voir que ton nom n'est plus aussi puissant qu'il était. Je te promets qu'après le deuxième jour du marché, je vais te la ramener. 4 jours à compter de maintenant. Oui. Jure par ton nom encore. Je jure par mon nom, la princesse Uchizuka. Je serai en attente. Oh Maluku, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? N'est-ce pas que tu n'es pas censé être ici? Qui es-tu pour me dire où je dois être ou non? Je crois que tu connais les conséquences de ce que tu fais. Oui, je sais. Je suis prête à l'affronter. Partez d'ici. Partez toutes maintenant. Partez. Laissez-moi seule. Laissez-moi faire ma vie. Laissez-moi vivre. Partez. 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 Oh. Laissez-moi tranquille. Oh. Tu plaisantes ou quoi? Comment je peux blaguer avec un sujet très délicat? Au moment où je te parle, ma femme est allongée sur le lit. La grossesse qu'elle avait de moi est partie. Quoi? Mon bébé a disparu.
Hein? Non, sûrement tu as bu. Mais attends, comment tu peux dire de telles choses? Sous ta propre femme en plus. Et ton propre enfant que tu attends. Ok. Si tu es sérieux, amène-moi chez toi dans ce cas. Comme ça, je vais voir de moi-même. Viens voir si tu continues à douter. Viens voir. Très bien. Amène-moi chez toi dans ce cas. Quoi? Que le Dieu de notre terre ne permette pas ça. Alors c'est vrai. Donc c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Hein? Qu'est-ce que je vais faire? C'est à moi que tu demandes? Ikena, c'est à moi que tu demandes? Mais je t'avais averti. Je t'avais averti. Quand tu te relèves avec la fille esprit, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais averti, n'est-ce pas? Mais tu vas me blâmer à tout le temps. Non, qu'est-ce que tu entends de moi? Dis-moi. Dis-moi un peu. Tu t'es créé des problèmes. Ikena, regarde ce que tu t'es créé comme problème. Hé, hey, mon Dieu. Je suis désolé. Désolé. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Non, ce n'est pas juste. Chuka. 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 Oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis là. Écoute, hein. Où est Omalugu? L'as-tu vu aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas encore vu depuis le matin. Tu vois ça? Tu vois ça? Tu vois ça? Ikena, je m'en vais. Je m'en vais, je ne peux pas supporter ça. Je dois partir d'ici. Je rentre vite chez moi. Je m'en vais. Tu es parti? Tu attends vraiment que je reste ici? Regardez ça. Tout ça, c'est à cause de toi. Je m'en vais. Ça va. Arrête de pleurer. Hein? S'il te plaît. Arrête de pleurer. Nous allons trouver une solution. Oui, ça ok va, mais... Chuka. On rentre avec elle. Je vais chercher Omaluja. Oui, hein? C'est bon, ça va aller. 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 Je suis Omaluku, la fille du ciel, la fille de la mer, la fille de l'océan. Je suis venue dire. Tu Omaluku, je pensais que tu m'avais mariée. Oui, c'est vrai, je t'ai mariée. Mais tu n'étais pas dans la maison de ton mari. Où étais-tu? Pourquoi tu es ton méchante mère? Elle n'est pas ta mère. Silence! Je l'ai entendu. C'est la raison pour laquelle tu m'as mariée à Dike. Un homme qui a déjà 17 femmes. Pourtant, je t'ai dit que je ne l'aimais pas. Tu m'as hypnotisée. Tu m'as liée comme un agneau qu'on amène à la boucherie. S'il te plaît, dis-moi, es-tu ma mère ou non? Il y a 20 ans passés, quand je devais succéder au trône du royaume de Uchezu Uchena, ma mère m'avait envoyé au sanctuaire de Dibia, à Fosafomon. Sur mon chemin du sanctuaire, j'ai entendu la voix d'un bébé. Je me suis mise à la chercher.
j'ai trouvé le bébé. Elle était tellement innocente et très jolie. Je l'ai pris et je l'ai caché dans ma chambre. J'ai pris soin d'elle et je l'ai élevée comme mon enfant. Et ce bébé, c'est toi. Mais selon la coutume, je savais que tu ne serais pas traité de la même façon que mon enfant biologique. Je comprends, mais s'il te plaît, laisse-moi épouser l'homme que j'aime, puisque je ne connais pas ma vraie mère. Et qui est cet homme? Maman, c'est Ikena. Ikena, le chasseur. Tu dois marier Dike. Tu dois épouser Dike. D'ailleurs, je perçois que tu as porté un bébé dans ton sein. Liez-la. Mais faites-la subir les conséquences de ses actes. Elle ne me fait pas ça. Pardon, je te prie. Non. Ne me frappez pas. Allez avec elle. Non. Ikena. Alors, elle n'est toujours pas revenue ici. Mon frère, je ne sais même pas où aller. Je ne sais même pas quoi faire. Hey. Ikena, je t'avais averti. Je t'avais averti. Tu t'es créé toi-même ce problème. Hein? Tu vois, femme, ce n'est pas le moment de me blâmer. Ce n'est pas vraiment le moment. Regarde, nous devons trouver une solution à ça. Hein? Afam, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Hein? Je ne peux pas juste perdre la grossesse juste comme ça. Hein? Bon, d'accord, laisse-moi d'abord m'asseoir. Laisse-moi d'abord m'asseoir. Il faut que je réfléchisse. Je dois réfléchir. Arrête, arrête, arrête de pleurer. Hein? Ça va aller, ça va aller. Calme-toi, ça va aller, ça va aller. Hein, Ikena, je suggère que tu ailles voir Ezedibia. C'est ce que tu penses? Oui, il est beaucoup mieux placé pour nous dire ce que nous devons faire. En ce moment, parce que je n'ai aucune autre solution à te proposer, mon frère. Mon cher, ça c'est une bonne idée. Oui, il faut que tu le voies. Si possible, vas-y demain très tôt le matin. Hein? Demain matin, c'est parfait. Oui, je viendrai chez toi. Très tôt matin. Alors nous irons ensemble. Oui, bien sûr. Il faut le faire. Il faut aller là-bas. S'il te plaît, arrête de pleurer. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ton problème est vraiment très compliqué. Mais il y a une solution. Merci. Merci, Ezedibia. Merci, merci beaucoup. Tu dois amener un petit oiseau avec deux œufs, sept noix de couleur, avec deux rideaux blancs. Tu vas amener cela partout où il y a une jonction d'arbres à 10h du soir. Appelle les dieux des enfants, le dieu de la foudre et du tonnerre. Tu vas leur demander d'agréer ton sacrifice et de restaurer ta femme afin qu'elle recouvre sa grossesse. Une fois que tu fais cela, ils vont restaurer la grossesse de ta femme. Et c'est dit bien. Je ferai exactement ce que tu me dis de faire. Merci beaucoup. Ok. Et c'est dit bien, merci beaucoup. Vas-y, mon fils. Tout ira bien pour toi. Ha 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 ha. Pourquoi il veut nous dire qu'on a l'eau?
As-tu vu ma femme aujourd'hui? Elle est derrière la maison. Ok. Est-ce que sa grossesse est rentrée? Je n'ai rien vu. Il n'a rien. Elle est toujours comme ça. De toute façon, moi, je vais à la chasse. Mon frère, je vais à la chasse. Mon frère. Tchouka Djéogo dit, pour aller à la chasse, il faut seulement me déranger. Faire le sacrifice la nuit dernière. Et jusqu'à ce moment ici présent, elle n'a pas encore retrouvé sa grossesse. Oui, Afam. Au moment où je te parle, le ventre de ma femme est très plat comme un bois. C'est comme si elle n'a jamais eu la grossesse avant. Je t'avais averti, Kena. Oui, je sais. Je t'avais averti, mais tu ne m'as pas écouté. Tu as vu une fille qui était esprit dans la forêt, dans une telle forêt. Ses mains et ses jambes étaient liées. Voilà, mais tu l'as prise. Je t'ai averti plusieurs fois, mais tu ne m'as pas écouté. Au lieu seulement de l'aider, tu l'as encore prise jusque dans ta maison. Mais si tu étais à ma place, tu allais faire exactement ce que j'ai fait. Non, jamais. Hein? Jamais. Tenez, je ne peux jamais être dans ta position. Tu sais, ce n'est pas ma faute. Pas ta faute, la mienne. Hein? J'étais juste amoureux d'elle. Et je ne pouvais rien faire. Donc tu me dis que tu es tombé amoureux de cette fille-là qui est un esprit. Es-tu sérieux? Quelqu'un que tu as vu dans la forêt, et tu ne sais même pas si elle était offerte comme sacrifice aux esprits dans la forêt. Hein? Tu l'as juste prise comme ça. Et ce n'est pas tout, tu l'as amené chez toi. Et là, ce n'était pas encore tout. Tu es allé jusqu'à faire l'amour avec cette fille-là. Tu t'es laissé emporter. Et voilà ce que tu as fait à ta famille maintenant. Ah, femme, je suis parti. À tout moment, tu ne fais que me blâmer. Continue oui, comme ça. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. C'est ton problème. Moi aussi, j'ai mes problèmes à moi. Tu t'en es cherché toi-même. Alors fais-y face. Tu veux que né. Mon Penny. Il y a quoi avec ton Penny? Mon Penny. Ah, femme. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a avec ton Penny? Je ne vois plus mon Penny. Qu'est-ce que tu me racontes avec ton Penny? Qu'est-ce qu'il y a avec ton Penny? Faut-on lui faire arrêter de blaguer? Mon organe génital, je suis sérieux. Je n'arrive pas à le voir. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. Regarde. 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 Que s'est-il passé? Je ne le vois plus. Je ne sais pas. J'étais parti me soulager. J'essayais de l'enlever. Ça a disparu. Je ne sais pas quoi faire. La femme, je suis fini. Ah, femme, je suis fini. Ah, femme, je suis fini, oh. Donc, juste ah, comme femme, ça disparu, c'est ça. Hey, regarde, hey, il n'y en a plus. Ah, oh, femme, donc, je suis fini, tu n'as plus de punir en ce moment. On va dire que nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. On est 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 en train de se faire. Hey, je dis bien. Et j'ai dit bien. S'il te plaît. Et j'ai dit bien. Oh. Et j'ai dit bien, s'il te plaît. Jeune homme, c'est quoi le problème?
Et je te dis bien. Je suis parti voir mon ami. Tout était bien. J'ai décidé de me soulager. À nouveau le pantalon. Pour me soulager, je n'ai pas trouvé mon pénis. Ça a disparu. Je n'arrive pas à le trouver. Juste comme ça? Juste comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon, aide-moi. Jeune homme, fais une liaison avec un être spirituel, un enfant spirituel à Obanje, qui était offerte ou s'est offerte comme un sacrifice à la déesse de la fertilité à son jeune âge. Elle a été secourue par un étranger qui plus tard est devenu la prêtresse des Ucheze, Ochenu no Chana, qui a offert la petite fille comme femme aux esprits très méchants. Mais toi, tu l'as prise même avant que l'esprit de cet homme vienne la chercher. Malheureusement, tu l'as emmenée chez toi et tu as fait l'amour avec elle. Tu as déclenché la fureur des dieux sur toi-même et sur ta famille. Jeune homme, je te l'avais dit, mais tu ne m'as pas écouté. Je suis fini, oh. Et je dis bien. Excusez-moi, s'il te plaît. Trouve-moi une solution. S'il te plaît. Je dis bien. Aide-moi. Il n'y a qu'une seule solution. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que je sacrifie ma propre femme? Ma propre femme? Pour qu'on retourne ma partie génitale. Ok. Alors, quelle sera l'utilité de ma partie si elle meurt? Hein? Imagine ça. Ça, c'est exactement le rêve que ma femme avait fait. Hein? Oui. Elle t'avait vu dans une piscine de sang. Et ta femme ne pouvait pas du tout te sauver. Chini-kini. Même ton pénis a été dévoré par un vautour. Maintenant, je comprends combien tu es méchant. Hein? Oui, tu es trop méchant. Moi? Oui. Tu faisais semblant d'être mon ami. Et maintenant, je te vois maintenant clairement. Tu m'as montré combien de fois tu m'as détesté. Tant que tu connais tout ça. Mais tu n'es jamais venu me dire. Moi, je ne te fais rien dit. L'as-tu fait? Je t'ai bien entendu. L'as-tu fait? Peut-être que moi, je n'avais pas voulu te dire ça. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Non, dis-moi. Tout ce que moi, j'ai toujours eu à te dire, tu as fait quoi avec? Hein? M'as-tu déjà écouté une seule fois? Même une seule fois, est-ce que tu m'as déjà écouté? Non, dis-moi. Oh, c'est ce que tu dis? Oui. C'est ce que tu dis? Juste parce que ce n'est pas ton cas. Hein? Jamais, pourquoi tu veux que ça soit moi? Ne le dis pas, en fait c'est vraiment impossible. Au fait, laisse-moi te dire, hein? D'ailleurs, moi je pense que c'est mieux que tu aies perdu ton pénis là-bas. Oui, hein? Oui, c'est bien que tu l'aies perdu comme ça. C'est comme ça que tu me détestes? La femme, tout ça vient de ta bouche. Oui, c'est mieux que tu l'aies perdu comme ça, hein? Pour que si tu vois encore une fille d'esprit comme ça, tu vas la laisser. Et tu n'auras pas avec elle pour finalement aller faire l'amour avec elle. Maintenant je comprends quel genre d'ami j'ai. Comme si je ne t'avais rien dit. Ce jour-là, je t'ai averti. Je t'ai béni de laisser cette fille tranquille. Tu étais un esprit, mais tu n'as pas du tout voulu m'écouter. Maintenant, tu t'es apporté une large malédiction. Et tu voulais que cela vienne sur moi. Jamais. Cela ne va jamais m'arriver, tu entends? Hein, oui. Afam, c'est moi. Hein? Écoute, je ne parle plus de toi. Encore moins de ta famille. Une fois que je pars d'ici, je ne veux plus jamais revenir ici. Oui, je t'informe, si tu ne sais pas. Hein? Parce que toi là, tu n'aimes pas écouter du tout. C'est ce que tu as dit. Oui, Afam, c'est à moi que oui, tu l'as dit ça. Non, laisse-moi. Et là, tu m'abandonnes? Oui, je te laisse. Hein?
Afam, non, viens, tu ne coupes pas. Moi, je m'en vais. Afam, non, je te laisse. Afam, reviens. C'est moi, Afam. Oui, je sais. Au revoir. S'il te plaît, viens, on discute. Non, je m'en vais. Ah, ah. C'est quelle sorte de sacrifice? Je devrais sacrifier ma propre femme pour récupérer ma partie génitale. Hé hey. Je n'arrive pas à comprendre. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, c'est trop dur. Oh, Chuka, tu es ici? Oui, je suis là. Je ne vois pas ma femme, Noma, dans la maison. Hein? Va un peu la chercher, c'est tes amis là-bas. Hein? Hein? Et tu essaies de la voir. Je ne sais pas exactement où elle peut se trouver. D'accord. Hein? Oui. Je reviens bientôt. Très bien. Je ne sais pas si la femme de mon frère Kenna est venue ici. Non, elle n'est pas venue ici. Et votre maman est où? Elle était partie au marché depuis le matin et elle n'est pas encore rentrée. Y a-t-il un problème? Tout va bien, tout va bien. Je repasserai, je repasserai. L'as-tu vu? Je ne veux personne. Non. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Mais où est-ce qu'elle pouvait être? Mais je pense qu'elle est partie. Qu'est-ce que tu veux dire par elle est partie? Je l'ai vu rassembler ses affaires dans un sac. Elle est partie. Quoi? Dans cette maison? Oui. Laisse-moi vérifier. Norma, où est passée ta grossesse? Ou tu as déjà peut-être accouché et tu ne m'as pas informée? Où est ton enfant? Norma, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Grande sœur, mon mari a failli me tuer. Hein? Au fait, je suis déjà morte. Que Dieu t'en épargne. Que s'est-il passé? Non, ma s'il te plaît. Non, ma s'il te plaît. Rends-toi à la maison. S'il te plaît. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui vous dérange? Juste quelques incompréhensions. Elle a fait sa valise et elle est partie. Juste comme ça? Juste comme ça. Hey, Hogo. Attends. Laisse-moi parler avec elle pour savoir le problème. S'il te plaît. S'il te plaît, Adame. Je veux juste qu'elle rentre à la maison, s'il te plaît. Je rentre à la maison, je reviendrai après. Ok, c'est bon. S'il te plaît, parle-lui. Je vais essayer de parler avec elle. Norma. Norma. Chérie, je suis là. Je suis là-haut. Je vais mettre ces histoires ici d'abord. Mon amour. Nkem. Ma chérie. Nkem. Ma femme. Nkem. 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 Jésus. Ma chérie, réveille-toi. Réveille-toi, ma chérie. Réveille-toi. Nkem. Pourquoi tu me fais ça? Non, ma femme, ne me fais pas ça. Non, ma femme. Ah.
Oh, ma femme. Ma femme, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça, ma femme? Ma femme, pourquoi tu m'as fait ça? Écoute, il n'y en a plus assez d'animaux dans ce village. Hein? Même si on les cherche comment, on ne trouve rien du tout. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est à propos de ton frère? Oui. Mon frère passe par beaucoup de choses ces jours-ci. Mais je le blâme. Ah! Il l'a cherché. Comment? S'il n'avait pas mené cette sorcière de fille à la maison, tout ça ne serait pas arrivé. Imagine la grossesse de 8 mois de sa femme a disparu. Qui a fait ça? Maintenant, elle a emballé ses affaires et elle est rentrée dans sa famille. Es-tu sérieux? Comment? Waouh! Il y a des choses bizarres. Une grossesse de 8 mois qui disparaît. Mon cher. Je ne comprends pas. Ce n'est pas du tout bon. Ah. Hein? C'est pas bon. Tu te poses souvent à des problèmes comme ça. Mais la grossesse de ton grand frère a disparu comme ça. Et tu ne fais rien. Cette histoire est compliquée. Ce que tu as fait et tu as les culots d'entrer dans cette parcelle. Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Tu veux donc tuer mon unique sœur. Tu veux tuer ma sœur. Adèle, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. Je peux tout t'expliquer. Expliquer quoi? Mais laisse-moi t'expliquer. Tu veux tuer mon unique sœur. Hey, oh, moi, Lily, ça ne marchera pas avec toi. Pars de ma maison. Pars d'ici et ne reviens plus jamais. Mais cette histoire ne va pas finir comme ça. Ça ne doit pas finir comme ça. Si j'entre à la maison et que je sors, tu es toujours là. Sois-en sûr, tu seras un cadavre. Adam, pars de chez moi. Oh. Ce n'est pas ce que tu crois. Moi. Désormais, elle n'est plus mariée à toi. Je viens de rembourser la dot que tu as versée pour elle. N'ose plus t'approcher encore de cette parcelle. Sors. Adam, ce n'est pas ce que tu crois. Je pourrais tout t'expliquer. Adam. Pars de chez moi, pars. Pars. Mais arrête pars. Ça. Va-t'en, sors. Sors de la parcelle. Sors de ma parcelle. J'ai peur au moins... Aventurier. Menteur invité. Es-tu vraiment sûr? Ma femme est là. Méchant que tu es. Regardez-moi celui-là. Hein? Il veut tuer ma sœur. Chimo! Hé! Hey, des sottises! Je te vois encore revenir ici. On verra moi et toi. Ah! Je suis Omaru, la fille du ciel, la fille de la mer, la fille de l'océan. Je suis venue dire.
feu commence à pousser maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah ah, hein? Je suis venu te voir. Voir qui? Moi? Oui. Va-t'en de chez moi. Qu'est-ce que je fais? Je suis venu juste te voir pour savoir comment tu vas. Que la foudre s'abatte sur toi. Je dis bien, que la foudre s'abatte sur toi. Tu ne sais pas ce que tu as fait, n'est-ce pas? À cause de toi, ma femme est morte. Ah ah. Qu'est-ce que tu dis? Aboma est morte? Va-t'en d'ici maintenant, ou tu vas mourir. Ah ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ok. Attends-moi là. Attends-moi là. Mais qu'est-ce attends-moi là. Reste là. Mais... Va-t'en d'ici. Ah. Va-t'en d'ici. Ou bien, sinon, je vais te tuer. Ah, femme, tu me chasses de ta maison. Va-t'en d'ici, j'ai dit bien, va-t'en. C'est comme ça que tu deviens. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Reviens encore ici dans ma maison. Et tu verras ce que je te ferai. Tu verras si tu ne vas pas mourir. Mais babouche. La foudre est sur toi. Essaie encore de revenir ici. Tu vas voir. Tu verras ce que je te ferai. Reviens encore. Tu vas voir. Ah, tu verras. Ikena, s'il te plaît, ne te donne pas la mort, non. S'il te plaît, pardon. Désolée. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû te laisser en première place.
J'étais en colère. Tu m'as trompée, Kenna. Tu as amené une deuxième femme dans notre famille. Tu m'as dit que c'était pour l'aider. Mais quand tu l'as amenée à la maison, c'était devenu une autre chose. Tu es tombée amoureuse d'elle. En plus de cela, tu l'as rendue enceinte. Parce que tu avais perdu ta masculinité. J'ai entendu planifier mes sacrifices pour des rituels. J'ai eu trop peur. Et je n'avais pas d'autre choix que de sauver ma vie. J'ai juste réalisé que je ne saurais vivre sans toi. Je suis là. Tu peux m'utiliser pour le sacrifice. Mais non. Tu devrais me laisser me suicider pour laisser tout ça. Tu devrais me laisser. Je n'ai jamais voulu te sacrifier. S'il te plaît. Je ne voulais pas faire ça. Ça sera toujours comme ça. Toi ici, femme, tu es revenue m'en finir. Tu as pris la grossesse de ma femme. Comme si cela ne suffisait pas. Tu as pris ma partie intime. Oh, Malougo, qu'est-ce qu'on t'a fait? Je suis innocente. Je t'ai dit qu'il cherchera à te combattre. Je t'ai dit qu'il te cherchera de tous côtés. Je ne suis pas la responsable, c'est lui. Et après, où étais-tu, hein? J'étais captivée par des gens que je prenais pour ma famille. J'ai été liée à la forêt pendant beaucoup de jours, sans nourriture ni de l'eau à boire. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je veux mettre fin à toute chose. Et si je meurs, tout finira. Et je serai en paix. Non! Oh, Malougo, tu ne peux pas faire ça! Pourquoi? C'est parce qu'elle t'aime, oh, Malougo. Je t'aime, moi aussi. Si tu m'aimes réellement, Ikena, hein? Laisse-moi faire. Laisse-moi mettre fin à toute chose, une fois pour toutes. Je ne vais plus briser ta famille. Non, laisse-moi mourir. Permets-moi d'être le sacrifice de cet amour. Non, oh, Malougo, non! Mais... La grossesse. Dike, es-tu vivante? Dike, tu es vivante? Dike, tu es en vie? Dieu merci, tu es encore en vie. Tu es en vie. Dike, tu es en vie. Je remercie les dieux. Merci, mon Dieu. Ma femme est en vie. Ma femme, tu es en vie. Merci. Oganiro. Oui, mère. Tu dois te préparer toi-même. Maintenant que Omalubo est morte, tu vas épouser Dike. Mère, moi je ne veux pas l'épouser. Oh. Je ne peux pas. Je ne veux pas l'épouser. Tu dois le faire. Mère, moi je ne veux pas l'épouser. Oh. Je t'ai déjà fait mon point. Je ne le ferai pas. Tu dois l'épouser. Tu l'épouseras.
Au moins de cette façon, nous saurons payer notre dette. Sache comment payer tes dettes toi-même. Moi, je ne veux pas l'épouser. Tu l'épouseras. Je ne le ferai pas. C'est la seule solution. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.